Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro Mégaphone. Alors nous sommes ici à la cimenterie devant une station service pour connaître les réalités d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a rendu public hier la commercialisation du gasoil en laissant par contre l'essence, et le constat révèle que l'essence est plus consommée en Guinée que le gasoil. Alors nous allons rencontrer les détenteurs d'engins roulants pour parler de cette situation, donc leur cri de cœur face à cette réalité. Depuis 3 jours, le Guinéen vit dans la précarité. Depuis 3 jours, le Guinéen ne sait pas où aller, où se confier. Alors, nous allons rencontrer ces personnes pour connaître aujourd'hui leur cri de cœur. Et depuis 3 jours après, on n'a pas de l'échange et puis c'est un peu difficile. Donc il faut chercher. Et avec les activités d'aujourd'hui là, une fois resté à la maison, c'est pas facile. Il faut sortir, chercher l'échange. Et cette crise, j'aimerais dire à l'État au moins de voir pour nous, parce que nous, les engins roulants, et une fois que vous prenez les motards, presque les 70% sont des engins roulants qui utilisent l'essence. Donc ils n'ont qu'à voir et vérifier, et ils n'ont qu'à revoir notre situation pour cela. Sinon, vouloir dire qu'ils vont laisser le gasoil et laisser fermer l'essence, ça c'est nous qui allons souffrir. Là, actuellement, je suis à la recherche du carburant. J'ai une urgence à Mamou, je dois me déplacer depuis hier. Mais vis-à-vis de la situation, j'ai parcouru presque toute Conakry parce qu'on m'a dit qu'il y avait du carburant à la T5, j'étais à la T5. On m'a dit aussi qu'il y avait du carburant. J'ai parcouru tellement, j'ai fini le carburant qui se trouve dans ma moto et j'arrive toujours pas à trouver du carburant. Et j'ai dit aux autorités guinéennes de nous aider d'avoir le carburant parce que les citoyens commencent à souffrir sincèrement. Sans le carburant, on n'arrive pas à se déplacer. Quand on ne se déplace pas, on ne peut pas vivre comme il faut. Ah, mon temps, voilà, mon fan yati, mon toro yati yati. Essence fait oro, mon temps, mon samane, mon siga, essence, mon tian, lende, bah, to photo, total, mon scrapira tanstone, kono gileri, fait oro yati yati, carbiran fira, me yamatan toro yati yati. Il fait ta ma, la manenga, falauto tebera, harinan fin, il fait yama. Et là, Amiré, Tansou, Nalfe, Amar, Alfe, Métorofe, Faira, Era, la Bilgarima, Métoro, Nami, Deranzi. Nantan, Amatima, Sarawora, Nathan Moufan, Konora, Amatife, Ala Konyamara, Bajitore, Nathan Fan, Konora, Amatife, Ala Komera Toro, Nana Moufan, Amatife, Sare, Allo. Ina sera 12 000 amati ala ko yande disoto na fam fam ko na matife ala ko nyama hatang ala to mitanga tor na namu fam. Non, on travaille pas parce que si on n'a pas l'essence, on peut pas travailler. Comme il y a crise de carburant, comme aujourd'hui ils ont dit qu'ils vont ouvrir les stations, ils ont dit que de commencer de servir les gens pour le carburant. Mais ils ont servi seulement le gasoil. On a parti là-bas, on a arrêté. Nous on est levé pour. On est levé le matin jusqu'à 5 h. Jusqu'à 8 h, on n'a pas eu le carburant. Nini menen kamen fondi do meden sonji, meden sonji, meden sonjade. Nini sandari. Kala kaya uda station jiding. Carburant no wodi kono be ala jabu de servu de jamaa. Normalement gouvernement no jabu do no wiide motor. Mais oui, à 2 litres. Est-ce que la famille a 3 litres? Fin de régler le programme du matin. Hande, ça a été fait. Ça a été fait. Il y a un hôpital. Une machine de vodi. Est-ce que c'est normal? Arrangez-vous à la maison. Si le carburant est là, il y a un hôpital. Mais il y a est-ce qu'on famille? Nous avons deux valtas de la maison. Nous avons un problème. Un problème sérieux. Il y a des valtas de la maison. Mais ko dum men fund yewtude yebe waltumen afre carburant ngosi manki menen hare men sonjike hare men me welama bengura me welama dum do na solution ni yebe waltumen yandino be waldi sa jama on wofi afre carburant ngo yebe waltumen